Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dead Space 3. Donc on s'est arrêté. Bah exactement ici, je dirais même. Et bon, on va tout de suite continuer, pourquoi pas. Ouvert là-bas, ici ouvert, tout à l'heure c'était fermé. Circuit d'amélioration, ça commence bien. Plus un dégât, plus un chargeur. J'aurais flippé s'il y avait quelqu'un dans les douches. Ça aurait pu foirer, pardon. J'ai peur. On va faire quelque chose ici. Allô. Ah d'accord. Diagnostic initialisé. Voilà. Donc ça c'est fait, on a amélioré. 12-12, yes. Bon, on va ouvrir la porte. Oh, pinaise. Pourquoi est-ce que je crois qu'on va sortir, là? Oh là là. Oh la pinaise. Et oh oh oh, tu te calmes. Tu te calmes. Bah ils sont que ça ou quoi, y'a que ça. Allez. Je vous attends les petits vilains. Allez. Hop. Voilà. Suivant. Non, c'est bon. Pour le moment, c'est bon, il y avait que ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Voilà. Toujours faire attention à hein. Toujours garder le viseur fixe. Oula. Alors, artefact alien. Journal perso Laura Engstrom. Ces spécimens gelés sont stupéfiants. Dans un sens, leur morphologie n'est pas si différente de la nôtre. Ils sont un peu plus grands, plus majestueux. Leurs têtes acrètes sont à la fois effrayantes et magnifiques. Le docteur Serrano pense qu'ils sont des millions là-dessous, piégés dans les glaces au milieu des monolithes. Qui étaient ces nobles créateurs? Pourquoi ont-ils construit le monolithe? Ont-ils placé le monolithe noir sur Terre? Dans quel but? Je suis sûr que les réponses se trouvent sur ces planètes de glace. D'accord. Ouais, sinon j'ai oublié de vous demander si vous allez bien et tout. En tout cas, ça va toujours bien. Le petit drop rien, c'est chiant. Alors, combien de vie là j'ai? Enfin, ouais, j'ai plein de kits, ça va. Et on va descendre. Voilà. Oh oh. Ça va ça? C'est quoi ça? Ça on peut rien faire. Ici on peut rien faire non plus. Si tu revenais à la vie. C'est mort? Non? Ça je me disais. Oh, c'est bon quand même. Hein. Il m'a fait aucun dommage. Bizarre. Enfin, il m'a fait un peu de dommage, mais c'est tout quoi.
Ah. Allez, viens. Enflure. Tu viens pas? Non. Toi, tu viens pas non plus? Putain, et en plus, j'étais préparé, bordel! Pire, c'est que j'y étais préparé! J'ai quand même flippé comme une fillette là. Putain, le mec qui a pas l'habitude des Dead Space qui passe par là, mais il doit flipper sa mère quoi. Toujours faire attention au grillage. Oui, je sais, je suis un sado de jouer à ce jeu. Oh non, pas eux, pas les crabes. Allez, allez, allez. Bon, alors les tablis, qu'est-ce qu'il y a? On se calme un peu là. J'ai que dalle. Combien de munitions? Ça va. Ouf. Ce bruit m'a fait peur. Oh oh. C'est bon ou je sens mal ce truc? Ah non, me dites pas que c'est ici les... Vous verrez ce que je parle. Si jamais c'est ici, vous verrez. Ok. Je dis pas qu'on va devoir défendre sans droit. Voilà. Bon bah, vous êtes prêts? Y'a pas moi. Charge électrique. D'accord. Vous êtes sûr d'être prêts, hein? Non, c'est bon, c'est pas ici. On tient ça ici. Stop, on n'est pas là pour jouer, l'ami. Cassez-vous. Cassez-vous! Bordel de merde! C'est pas ce que je pensais, mais c'est quelque chose de pire! Bon. Toi, t'es mort. Ah ouais, c'était par là, je suis con. C'était quoi tout ce con? Je crois que je me suis trompé quelque part. Des protections gravitationnelles sous le corps. C'est un avertissement à l'attention d'un certain Serrano sur la planète. Vous savez comment décrypter? Oui, la clé de décryptage est dans le bureau de Laura Engstrom. Je vais voir si je peux la trouver. Oui, la voilà. Je vous envoie les coordonnées. C'est bon, je sais où aller, pas besoin de... C'est pas comme si j'y venais, quoi, là. D'accord, c'est bon, je sais ce que c'est. Ah, c'est pas par là, à mon avis. C'est juste là. Voilà. Donc, c'est assez chaud, quand même, hein. Faut pas se mentir.
On bouge mieux en visant. Ça allait bien. Allez, viens. Ah putain, enculé. C'était pas prévu. Ça c'était encore moins prévu par contre. Arrête de vomir, t'es chiant. Désolé s'il y a beaucoup de bruit là, si vous m'entendez pas. Ah d'ailleurs, il y a beaucoup de bruit et je les entends même pas non plus moi. Tiens, il y a quelque chose derrière. Ah tranquille, il y a pas beaucoup de monde là. Allez. C'est pas toi tant j'ai peur, c'est celui-là qui sera derrière toi dans quelques secondes. Voilà. Bon, il est où l'autre? Encore? Ça a l'air bon. Mais oh, pas la tête. Là y a personne. Ici c'est bon. Casse-toi. Oh non, j'aime pas celle-là. Toi. Ok. Coucou bah. Ouf. Voilà. On va pouvoir aller là. Oh ça va, je sais que c'est ici. C'est pas ici ? Blague. Santos, je vous envoie la clé de décryptage. Bien reçu. Attendez, je l'applique au message. Cacher Rosetta. Qui c'est? Ils ont dû vouloir la cacher pour qu'elle échappe à l'exécution. Ses recherches pourraient tout enrayer. Pourquoi ordonner une exécution qui détruirait un secret si important? Ils ont paniqué. Ou ils en savaient plus que nous. Merci d'avoir trouvé ça, Isaac. Ça pourrait être très utile. Tant mieux. Bon, j'y retourne. Il nous reste encore beaucoup à faire. Terminé. D'accord. Donc on a terminé cette zone, on dirait. J'ai pas l'impression d'être rentré ici, moi. C'est quoi qu'il nous faut ? Dinabar, ok, donc si j'ai besoin d'une dinabar, si j'ai une dinabar, je viendrai ici. Alors, charge électrique, fabriquer. Par défaut, on pourra faire rien, on peut par défaut. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai rien, c'est bon. Voilà, c'est bien comme ça. On va quitter cette zone, on va se rendre à la prochaine zone, et ensuite on s'arrêtera là. Qu'est-ce que j'ai dans le dos à côté? Oh, c'est rien. Juste un petit tambour. Non, il y aura personne en retour, c'est impossible. Voilà,
dépressurisation de la cabine. Et on s'en va. C'était juste là l'entrée. Hein. Voilà. Et c'est juste ici le. Et oh. Une petite musique comme ça. Et ici déjà. Ah, c'est ça. Oxygène. Allez, on va rentrer dans le vaisseau. J'aime bien comment on passe de temps dans zone ici. Et on va se rendre alors KSK1 1P, et on va se rendre ici. Alors porte-vaisseau ADT 60 alias la croisière, classe CL13 UIC 3692, impulsion activée. Waouh, c'est beau. Alors, nous sommes arrivés. D'accord. Et maintenant, on va se rendre à l'intérieur de la base. Je suis dans le Terra Nova. Par où est la navette ? Santos, vous avez les registres. Que disent-ils ? Que la navette a été suspendue. Il fallait la démonter. Ouais, si je résume, on sait rien. Il doit y avoir des registres détaillés quelque part. Je vais regarder dans le vaisseau. Et voilà, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aime, surtout vous abonner à la chaîne, apporter à la liker, à foutre des commentaires, etc. C'était The Dead pour la chaîne Ichiban HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.